Messieurs, dames, 2002, le 4 octobre 2002, débarquait Super Mario Sunshine sur GameCube. Exceptionnel jeu, vraiment, qui a marqué beaucoup de gens, considéré pour beaucoup comme le meilleur Mario. Je sais que ça se fight un petit peu avec Galaxy, mais c'est vrai que c'est un Mario qui a marqué beaucoup de gens de par son gameplay original, de par son histoire assez sympathique, de par son ambiance très marquée. Super Mario Sunshine, Mario et ses amis arrivent sur l'île Delfino, prêts à profiter d'un séjour relaxant, mais à leur arrivée, ils découvrent que l'île a été défigurée à coups de graffitis gluants. Condamné à tort pour ce terrible crime, Mario doit nettoyer l'île, trouver le véritable coupable et retrouver les soleils, la source d'énergie de l'île, qui se sont cachés. Fort de la puissance offerte par la console Nintendo GameCube, ce jeu offre des effets aquatiques fluides et une palette de mouvements impressionnante pour Mario. Bien sûr. La GameCube. Merci Léo pour le Prime. Bienvenue à toi. Spectacular amusement park and succulent seafood. Oh. All this and more await you on Isle Delfino. Come relax and let us refresh your body and spirit. Et oui! Super Mario Sunshine! Woohoo! Comme vous l'avez vu, Peach qui a remarqué quelque chose tandis que les deux autres ne pensent qu'à leurs vacances. Ça me fume. Ça me fume. Merci beaucoup, ça m'émerveille pour le 7e mois d'ailleurs. Merci à toi. Belle cinématique, c'est magnifique. C'est sublime, c'est sublime. Hop là, directement, joueur français qui va plutôt vers les options. Il va checker sa vibration, marche, sous-titre, marche. Hop là, il repart directement. Est-ce qu'il prend A, B ou C? A, B ou C? Allez, il prend A. Est-ce qu'il commence? Est-ce qu'il copie? Allez, il commence. Merci Plane pour le 8e mois. Merci beaucoup. J'ai pris A. Super DD. Merci beaucoup. Atterrissage difficile pour l'équipage de Mario. What happened? What's this icky paint like goop? It's moving. Now, boys, don't touch that stuff. Il me semble qu'au Japon, ils avaient aussi les voix anglaises. Je suis pas sûr. Mais je crois qu'il n'y avait qu'un. Il y avait qu'un doublage anglais pour tout le monde en fait. I am most concerned with the well-being of the princess in this dreadful heat. Master Mario, if you would, cross over to that shore and find some assistance. Oh là là, le 16/9e, exceptionnel. Mario, fais attention, j'ai un mauvais pressentiment. Incroyable. Eh.
Ouais, c'est ouf. C'est ouf. Le voir en 16/9 comme ça, ça me fait trop plaisir, sans déconner. Et là, on est en 720p, il me semble, je dirais, à peu près. On peut bouger la cam. Ouais, regarde. Hop, 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 tac, tac. Ah bah là, la cam est bien plus agréable que sur, sur 64, hein, clairement. Ah, c'est du 1080. Ah oui, c'est du 1080. Ah, c'est tout à fait du 1080. Attends. Oui, c'est du 1080, 100%. Oh là là, quel kiff. Merci Jayco, merci Yusso, Pipi TV, merci pour vos primes. Sacré Bibi, hein, le... Le Mario... Oh merde. Aéroport, score. Tac, 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 ok, énorme. La transi est monstrueuse. Est-ce que je peux monter sur l'avion? Ah oui, c'est ça. Ok, donc ça, ça me remet la caméra derrière. Ok, très très bon à savoir. La cam est pas si immonde, hein. Je sais pas, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de la cam sur Sunshine, mais je la trouve pas si immonde, là. Merci Garazeb, ton 13e mois en T2. Ah, on glisse dessus, ok. Le slow run commence. Ah bah bien sûr. Évidemment. Comment il va? Hé, cette gelée paraît dangereuse! À ta place, j'y toucherai pas! Si tu en reçois sur toi, va te rincer dans l'eau! Ou réalise un saut en vrille! Dessine rapidement un cercle avec elle et saute! Comme ça, tu veux dire? Oh, ça colle partout! Hé, vous trouvez pas que cette tache ressemble au visage de Mario? Oh, ça va. Sympa. C'est moi, Mario. Faire tout ce chemin pour ça? Tout est gâché maintenant. Mario, tu dois faire quelque chose. En direct, toute cette crasse sort du sol. C'est très glissant. Regarde où tu mets les pieds. Oh, aide-moi vite. Mon ami est tout englué dans cette gelée poisseuse. Oh non. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement coincé là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Comment il va? Oh, vous aidez? Mais tu plaisantes. C'est nous qui avons besoin d'aide. Prends la pompe à eau et va nettoyer tout ça. Bah, je la prends avec plaisir. Power up complete. Thank you for purchasing this item from Gad Science Incorporated. Preparing to register customer information, scanning and classifying subject data. Subject identified as Mario, resident of the Mushroom Kingdom, data storage complete. I am Flood, a flash liquidizer ultra-dousing device. I hope to be of assistance. Jet le bro. Proceeding with user instruction. Use the button to shoot water from my pool. If you press the button, you can stop and shoot. You can then use the stick to aim in any direction. Press the X button to switch to the hover nozzle. You can then press the button to hover in the air for a short time. Ce gameplay était ouf en moi. If this tank is empty, no water can be sprayed. To refill tank, enter a body of water and press the button. Instructions complete. Proceed. Non merci. Est-ce qu'on se referait pas les écoutes comme... Et donc si je fais ça, je crois... Ouais voilà c'est ça, je peux viser comme ça. C'est exactement ça. On va aller récupérer un petit peu d'eau bien sûr. Magnifique.
Alors, si je fais ça plutôt, est-ce qu'il faut que je le vise ou... Il est gros par contre le réservoir. Je vais pas souvenir qu'il était aussi gros, j'avais l'impression que c'était insupportable à l'époque. Le premier soleil vient d'apparaître sur la piste d'atterrissage. Bravissimo! Thank you! Oh, pas la police. On est dans la merde. Court is now in session. As you are no doubt aware, someone has been senselessly defacing Fair Isle Delfino using some paint-like substance. The accused is charged with polluting our beautiful home and, yes, endangering our very way of life. Vous faites erreur, je crois, monsieur. How can one not be aware of what is going on? Vous, je suis avec vous. Though it is daytime in Delfino Plaza, our poor residents tremble beneath a veil of darkness. Expert shine scholars have determined that this darkness has arisen because all of our guardians, the shine sprites, have vanished from their gathering spot at the shine gate. The reason? It's quite obvious. This horrible graffiti is to blame. Behold this sketch of the perpetrator based on eyewitness description. C'est une erreur. The truth is obvious. The guilty party sits among us. It is none other than Mario. Objection. Merci, Peach. Overruled. I judge the defendant guilty as charged. I hereby order the defendant to clean this entire island. Until Isle Delfino is completely free of his vile handiwork, Mario shall not be allowed to leave. Mais... Court adjourned. Ok, d'accord, donc c'est vraiment, il n'y a pas de feinte. Après, il n'y aurait pas eu de jeu si jamais on n'avait pas été coupable. Donc c'est ok. C'est ok. Mario, you witnessed this object at the airstrip, correct? It is a shine sprite. Shine sprites are the source of power on Isle Delfino. They used to gather in great numbers at the shine gate, but the graffiti incident has polluted the island and most of the shine sprites have fled. There is no longer any power to support the peaceful lifestyle of the islanders. It is most pitiable. The only way to ensure the return of the shine sprites is to keep the island from becoming any dirtier. The perpetrator is likely at work even as we speak. And you, Mario, are being treated as a criminal. Tomorrow we must do our best to resolve this situation. Veux-tu écouter les explications? Bon. Peut-être pas quand même. Go straight that way. You can't miss the mess now. Your first job's to get rid of all that ugliness. And remember, we'll be watching you, pal. We'll know if you start slacking off. Se faire accuser à tort comme ça, c'est quand même dur, quoi. La place Delfino, messieurs dames. Remplie de merde. Elle est remplie de merde, ça me fume. Attends, mais par contre, ça manque de couleur, là. Ça va, monsieur? Ça va, monsieur?
Qui a rempli ça de merde? C'est dégueulasse. Très bien. Toutou. Non mais je sais que c'est normal qu'il manque de lumière, hein. Évidemment, le but étant de retrouver des soleils. Effectivement, quand il manque de soleil, il manque de lumière. Oh, le petit Toad. Non, j'arrive pas trop à viser comme ça, en vrai. Hop là. Il est content. Noyé sous la merde. Comment il va? Putain, vous savez que j'ai un souvenir. Alors oui, pour ceux qui se posent la question, est-ce que j'ai déjà joué au jeu, etc., etc., etc. Un peu à l'image de Wind Waker, c'était Bertrand qui avait Sunshine. Après Sunshine, j'ai un peu plus joué que Wind Waker. Je sais plus pourquoi. Peut-être qu'il me l'avait prêté. Je sais plus trop. Je sais plus. Mais j'ai un peu plus joué que Wind Waker pour le coup. Je sais plus pour quelle raison en vrai. Et je sais pas pourquoi j'avais souvenir d'avoir un réservoir beaucoup plus petit. Bertrand la légende. Faudra le retrouver un jour. Y avait pas un spam qu'on pouvait faire comme ça? Ah voilà, comme ça. J'ai plus d'eau. J'ai de l'eau. Ah mais ouais, j'ai vraiment souvenir qu'on avait moins d'eau. C'est ouf. Le fusil à pompe, c'est en spammant A et R. Comment je remonte ici? Tu te brasses. Attention à l'énergie, mais j'arrive pas à remonter. Fin du jeu. Et je peux pas passer en jetpack vu que... Ah si, voilà. Vu que j'étais dans l'eau. Mais si, c'est bon. Pardon. C'était ça. Ouais, c'est ça. Ultra, ultra violent, ça, comme technique. C'est une technique un peu à l'américaine. Avec Flo. Par contre, oui, ça consomme beaucoup, ouais. Ouais, ça consomme beaucoup. Après, j'ai envie de te dire qu'on est sur une île. Il y a pas mal d'eau autour de nous. Merci, X-Rag, pour ton troisième, merci. Tu es une très jolie fleur. Quoi, Elixir? Merci aussi. Oh non! Mais pourquoi toujours elle? Mais pourquoi à chaque fois vous prenez... Mais non, mais bordel! Prenez quelqu'un d'autre, une bonne fois pour toutes. Oh, bordel, en plus il a foutu du caca partout. Revenez! Qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi vous prenez toujours elle? Expliquez-moi, expliquez-moi, qu'est-ce qu'elle vous a fait? Voilà. Ce n'est pas juste, c'est vraiment trop injuste. Tu devrais pas avoir le droit d'utiliser ce genre d'appareil. En plus, c'est un râleur. Il se dirige vers la place, rattrape-le. Bah, il est là. Ah, mais d'ailleurs, attends, il y a des gens à sauver. Ah, la caméra est beaucoup plus agréable en vrai. Il est où d'ailleurs? Il est allé sur la place? Ah oui, il est là. La caméra est beaucoup plus agréable. Il est rentré quelque part, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Il s'est enfui dans le graffiti, Mario, essaie de l'arroser! Putain, il est trop gentil de m'attendre en vrai. Tu te souviens bien du scénario? Pas vraiment, je crois qu'en gros c'est...
C'est Bowser qui se fait passer pour Mario et qui fout la merde, et donc du coup, c'est moi qui passe pour le méchant alors que c'est pas du tout moi, quoi. Je crois que c'est un truc comme ça. Bah, c'est lui d'ailleurs. Colin Bianco. Ce spoil. Ça va. Il y a prescription. Attends, tu spoil Mario là ? Non, tu spoil vraiment Mario là ? Attends, tu spoil Mario ? J'ai jamais joué au jeu, donc pour moi c'est vraiment du spoil, t'es un monstre ponce. Non mais en plus apparemment d'après le chat c'est même pas tout à fait ça, donc c'est pas en vrai, c'est pas tout à fait du spoil. C'est pas tout à fait du spoil parce qu'apparemment c'est même pas ça, selon les fleurs ce serait pas ça. Après tu vois bien qu'il y a un mec qui se fait passer pour moi quand même, ça se voit quand même. Merci Toc le Belge, merci beaucoup. Je sais plus ce qu'il faut foutre là-dessus. Non, je pense pas que ce soit ça. Je sais plus du tout. En vrai, je ne sais pas du tout ce qu'il faut foutre, c'est énorme. Est-ce que là, je peux vraiment faire le funambule ici ? Ah mais les pièces bleues... Ah moi j'ai toujours peur de... Bah c'est nickel. Inch'Allah. C'est bon. Ah ! Ah là c'est... Bah elle est où ? Oh non, c'est un scandale. C'est un scandale. Elle est où la pièce ? Mais donnez-moi ma pièce ! Vous déconnez ! C'est bon. Au moins j'ai celle-là. Merci Monster Rose. Franchement, tu te dégoûtes du spoil. T'es malin. Yes. Elle est pas partie de l'autre côté, la pièce ? Oh, putain, vous savez que je ne l'ai pas vue, je sais pas où elle est tombée, la pièce. Cette déception est intense. Mais d'ailleurs, attendez. C'est pas cette croix que j'ai enlevée ? La déception est totale de mon côté. Là, elle est au middle. Là, elle est middle. Là, elle est middle. Middle map, middle, middle map. On passe middle. Merde, je suis pas en haut. Bien sûr. Évidemment. C'est vrai que je vais galérer, je pense, en vrai. Honnêtement, la caméra est... Vraiment, moi, j'ai vu des gens se plaindre de la caméra. Mais je la trouve clairement... clairement ok, quoi. En vrai. Enfin, du coup, avec tous les gens qui se plaignaient et tout, je m'attendais à pire. Mais c'est clairement ok, en fait. Enfin, je vais aller chercher de l'eau avant de faire nimp.
Enfin, c'est clairement même plutôt agréable, quoi, j'avoue. Clairement ok quoi. Attention, tu verras. Ouais, je pense que je verrai, mais après, étant donné qu'on fait ça juste après 64, je pense que de toute façon comparé à 64 c'est propre. De toute façon. Aïe. Je pense. Hop là, on enlève tout ça sans aucun souci. Ah ah. Non mais d'où vient ça? J'ai plus d'eau. On retourne dans l'eau. Hop. T'as déjà plus d'eau. Ouais, cette technique utilise beaucoup d'eau. Très bon. On en a beaucoup ici, on est bien. Honnêtement, c'est pour ça que je suis content de le faire dans l'ordre. Je vous jure que la caméra là c'est ok. Hein. Enfin, c'est pas immonde. Hein. Aïe, aïe. J'ai déjà plus d'eau, c'est énorme. Aïe, c'est énorme. Je peux faire des grosses vrilles en l'air en faisant rapidement droite gauche saut. Donc je peux faire ça quoi, normal. Ce fameux. Je le trouve même plutôt très agréable à manier, vous savez. Je suis assez sérieux hein. Petite bouteille de cristalline là-dessus. Aïe! Hop là. Par contre, j'ai plus de vie. La tension est monstrueuse. Incroyable. 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 C'est chiant que je puisse pas modifier le son. Genre le son de l'énergie, l'eau est vraiment vraiment trop fort. Tandis que les voix sont pas assez fortes. Ça c'est tellement dommage, c'est tellement chiant. Aïe. Est-ce que je fais les pièces bleues? Je me tâte à faire les pièces bleues. Oui, go. Mais non, mais vous, je vous dis n'importe quoi. Je vous dis, je me tâte à faire le 100% Super Mario 64. Vous dites, oui, go. Il est vraiment beau hein, le jeu en 16/9, il passe trop bien, vraiment. Mario, est-ce que tu maîtrises ton jet? Tu peux le transformer en utilisant X.
Tout le monde sur cette île aime jouer au brise-caisse. Tu n'as qu'à sauter et appuyer sur ZL, au-dessus. Énorme. Osef des bleus. Ouais, un peu. En vrai, un peu, ouais. Enfin, Osef des bleus. Ouais, c'est... Honnêtement, un peu. L'attaque de Flora Piranha. Est-ce que tu maîtrises ton jerk? Oh, elle est loin. Comment l'atteindre? Allez, on y retourne, on va tout là-haut. On s'accroche. Moi, ce que j'aimais bien dans ce Mario, enfin, ce que j'aime bien dans ce Mario-là, c'est qu'il a une vraie... il a une vraie identité, quoi. Tout ce délire-là, Sunshine, Delfino, tous ces habitants-là et tout, c'est une vraie identité, à tel point qu'on retrouve... Je crois qu'il y a genre 3 maps, quand même, de Mario Kart tirées de Sunshine, quoi. C'est vraiment énorme. Sur 3 Mario Kart différents, je crois qu'il y a Wii, je crois qu'il y a... Sur DS aussi, je crois. Sur... Enfin, y en a plein, quoi. Ce qui est assez ouf. Quartier Delfino, bien sûr. Plage Delfino sur GameCube, il y a le paquebot aussi, c'est vrai, il y a le paquebot, exact. Hop là. J'aurais plus d'eau en arrivant, ça va être énorme. Enfin bref, il y en a plein, quoi. Ce qui est assez ouf. C'est vous dire. Est-ce que j'aurai assez d'eau pour aller jusqu'en haut? Ou pas? Si t'aimes bien le fait que les Mario aient une identité bien à eux, tu devrais adorer Galaxy. Oui, l'identité Galaxy est vraiment très, très marquée aussi et très stylée, tu vois. Moi, j'aime bien quand il y a une identité, pour le coup. Et je trouve que c'est vraiment le cas de... C'est vraiment le cas de... Bah, pour le coup, de Sunshine, c'est insane. Comment il va, lui? Pourriez-vous nous aider avec cette créature à grosse tête? Vous êtes le seul à qui nous puissions demander un coup de main. Oh, y a aucun souci. Y a aucun souci, j'y vais. Ouais, je pouvais recharger tout à l'heure, mais je savais plus ni comment, ni quoi, ni quoi. J'aurais dû mettre bien dans la flaque d'eau de là où ça visait, mais je pense que j'ai assez. Il n'y a jamais eu de map Paper Mario sur MK. Non, il n'y a jamais eu. Est-ce que j'ai assez d'eau, par contre? En vrai, je sais pas. Hein. Si tu vises, oui. Enfin, je viserai jamais. Ah mais je suis full! Mais attends, what? Sérieux? Scandale? Aïe. Je suis vraiment full? The fuck? Peut-être aussi s'il me donne des... Hmm.
que tu te reçois quoi que ce soit, toi? Attends, faut... Ouais. Ouais. Bon, j'attaque une fleur, ça me fait un peu mal au cœur, mais bon. C'est le jeu, quoi. La maniabilité est tellement plus agréable que 64, je vous jure que c'est... C'est assez flagrant. C'est honnêtement assez flagrant. C'est même pas que c'est flagrant, c'est genre... C'est assez ouf. C'est pour ça que je suis content de le faire dans l'ordre, en vrai. Ah merde. MDR sur GameCube, pas N64. Non, je crois que t'as pas compris ce que j'essayais de dire. En gros, la maniabilité est tellement plus agréable sur celui-là que sur 64. Justement, c'est insane, parce qu'en fait, je l'ai fait dans l'ordre. Et c'est assez monstrueux, la différence. C'est vraiment... Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais les faire dans l'ordre. Sinon, je pense que j'aurais commencé par Galaxy, je pense. Ou par Sunshine. Ah, mais au final, c'est que le deuxième Mario 3D, celui-là. Merci, Janshi. Merci beaucoup pour ton abonnement. C'est toujours pas clair. Ah, vous comprenez pas ce que je dis ? Alors, en gros, la maniabilité de Super Mario Sunshine est hautement supérieure à la maniabilité de Super Mario 64. Je pense que la maniabilité de Super Mario Sunshine est... C'est bon, vous avez compris. Alors, voyons voir. Je comprends pas. Je comprends pas ce que t'essayes de nous faire passer comme message. Je pense que je vais le mettre en titre. Je vais... Mais peut-être le mettre en titre. Le secret de la grotte de la colline. Le secret de la grotte de la colline. Mais non. Merci beaucoup, le Gregal. Merci pour ton deuxième mois. Le Gregal. Okay. Alors, comment monter là-haut sur la montagne? Ah bah si, bien sûr. Ça va être le funambule, ça va être la partie de funambule. Je me rappelle même plus comment on fait en fait. C'est le niveau où tu FF mental. Ouais, il y a des chances, hein. Merde. Est-ce que j'ai un code créateur épique? Il y en a un qui existe, mais je crois que c'est RBS Poncefesse et je sais même pas s'il est encore effectif. En vrai, non. En vrai, non. Il faudrait que je contacte Epic Games, en vrai. Je les avais déjà contactés, mais ils sont pas du tout réactifs. J'étais un peu choqué d'ailleurs. C'est bon. Ils fonctionnent plus, ah ouais, voilà. Ah! Faudrait que je les contacte, honnêtement, mais Hop là. Alors, du coup, voyons le chemin. T'as totalement arrêté Animal Crossing? Non, je suis pas totalement arrêté, c'est juste que là, j'avais pas trop le... Il y a beaucoup de jeux que j'avais entamés, donc j'avais pas trop le temps. Mais non, pas du tout. Merci, Concy. Sir Concy, bien sûr, merci pour ton troisième. Alors, comment monter là-haut? Par où je peux passer? Par juste là, au-dessus de moi, non? Ah, je peux pas regarder au-dessus de moi, là.
Ou alors je démarre là-bas? Ah non, mais je peux démarrer de... Attendez... Je vais aller... Mais oui! Aïe! Je vais passer par là, je pense. Ce sera beaucoup plus haut, j'aurai plus de hauteur, je serai bien. Ils ont réparé le pont. Attends, mais j'ai même assez de hauteur. Non, j'ai pas assez de hauteur. Je peux pas passer par là, à tout hasard. Ah bah si, je peux passer là. Attends, bon déjà on va monter sur des fils parce que je n'ai strictement aucune idée de comment on monte sur ces fils-là. Si. Ouais, je vais faire ça. Ok. C'est bon. Merci Tsuba pour ton abonnement. Bienvenue à toi Tsuba. Tout à fait conducteur, hein, cet objet-là. Merde, j'ai pas sauté. Ces fameuses araignées. Pourquoi se compliquer la tâche? Eh oh, les nouveaux sons de Mano. Ne commencez pas à m'embêter. Je fais ce que je veux, ok? Hein? Ne commencez même pas. Mais le fil, je sais pas comment il fonctionne, ce foutu fil, en fait. Merci Tsuba, merci beaucoup. Il me fait rebondir. Oh bah très bien. Ok. J'aurais pas fait comme ça. Bon, en fait tout marche, je pense, en vrai. En vrai, tout marche, non? Parce que je peux aussi sauter et faire ça, je peux aussi... Non mais laissez-moi tester des trucs, vous êtes absolument insupportables. Vous savez que là, ce que je vois dans le chat, c'est typiquement le genre de truc qui fait que je ne fais pas de rétro gaming. Parce que vous voulez voir quelqu'un qui rush le jeu comme si, voilà, on fait le jeu, on refait le jeu, yes, on refait le jeu, yes, puis on fait ça. C'est vraiment, je vous jure, c'est ouf. Vous êtes vraiment la raison, là, ces messages-là, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas faire de rétro gaming. Genre, sans déconner. C'est ouf. C'est cette raison-là. This reason. Et pourquoi je trouve pas ça, ouais, du coup, pas ça hypant de faire du rétro gaming en live, quoi. C'est quand même ouf, tu vois. C'est... C'est un message sur 100. Ouais, non, mais complètement. Ah oui, non, par contre, je précise, attention, que c'est une immense minorité qui fait ça, bien sûr. Mais ça change pas au délire, tu vois. Ah, c'est évidemment une immense minorité. Évidemment. Je pourrais jamais monter là-haut. Tous les chemins ne mènent pas à la colline, c'est pas vrai. C'est faux. Vous m'avez menti. Merci Polo pour le troisième mois, merci beaucoup. Oui, je comprends ça le signe, en vrai je comprends, oui. Je comprends. Je me rappelle de ce truc. Ah
Non, mais il n'y a pas d'espace entre les blocs. Non, il n'y a pas d'espace entre les blocs. Musique incroyable. Est-ce qu'il y a encore cette histoire de demi-tour? J'ai l'impression pas trop, hein. Vous savez qui nous faisait un peu mal au cœur sur 64? Tout, tout, tout. Elle est magnifique cette musique. Magnifique. Magnifique. Magnifique ce qui vient de se passer. Param pam pam. C'est Mario Galaxy du coup. Non, c'est Sunshine. C'est Sunshine. C'est tellement dommage qu'on puisse pas augmenter les sons. T'en montres ? Ah non. Je trouve ça tellement dommage qu'on puisse pas modifier la... Enfin, monter la musique. Ah ouais, j'ai plus de vie, je crois. La la... Je pense que je vais passer par la gauche. Par là. Oh, mais vous savez que la caméra est quand même bien plus agréable. Vraiment, c'est insane. C'est incroyable. Le changement est si kiffant. Ah non! Je me déteste. Premier game over. Peut-être. Quelqu'un sait si on peut jouer à la manette GameCube. Tu peux forcément jouer à la manette GameCube. Enfin, je vois pas pourquoi tu pourrais pas, parce que... Oh putain, mais d'ailleurs, c'est une bonne idée. Parce que, bah, tu peux jouer à n'importe... Je crois que tu peux jouer à n'importe quel jeu. Quoique, peut-être pas... Non, on peut pas. Ah, sérieux? Sérieux? Ok, bah, my bad, je pensais. On peut vraiment pas? Ah, c'est si dommage. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils aient pas mis ça en place en vrai? Passer à droite pour tester du coup. C'est un peu tricky la droite, hein. C'est un peu tricky tout ça. Ça marche, je l'ai fait à la manette GameCube, mais les gâchettes c'est on-off, pas adaptive. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, bon, du coup. Ça va, bro? Hein? Et... Pas confiant, hein. Il m'a un peu fait peur, j'avoue. J'aurais peut-être pu prendre la vie, en vrai. J'aurais peut-être pu prendre la vie. Bravissimo! Parce que là, du coup, je vais me taper un petit game over. Bud Flash spécial, la hutte du ponton située à l'ouest de la ville a disparu. La police de l'île est complètement débordée. Merde, le flash info. Oh, le flash info, c'est terminé. Je sais pas où il est parti, la pièce bleue. C'est pas grave. Allons sur le ponton. Merci Nerek pour le 7e mois, ça faisait longtemps, merci beaucoup. Il se passe quelque chose ici. Mmh.
À l'enfer. Ah! Bah c'était là du coup. Collectez-en 10 avant d'aller à la hutte du ponton. Et du coup, celle-là, c'est... Ce sera là-bas. C'est là-bas, tout à fait. Allons-y. Quel kiff, ce 16-9e. Le gameplay de Sunshine n'est pas trop répétitif. Écoute, j'ai pas nécessairement ce souvenir-là. Au contraire, je le trouve assez osé, tu vois, quand même. C'est assez improbable. De toute façon, et je dis pas seulement ça parce que je suis fan de Nintendo, mais je le pense vraiment, je trouve que Nintendo, ils ont toujours un peu... Tu vois, tenté des trucs. C'est souvent assez original, hein, je trouve, ce qu'ils font. Pas ces derniers temps. Pas trop ces derniers temps, je suis d'accord. Un peu moins ces derniers temps, effectivement. Ils ont sauté dans l'eau, les autres, ils me fument. Pourquoi vous êtes partis ? Je vais recharger mon eau, moi, surtout. La Switch est une innovation en soi, c'est vrai. Une console portable fixe, ouais, ça reste une innovation en soi, j'avoue. Mais il y a un soleil là-dedans aussi. Bien sûr. Breath of the Wild. Mario Odyssey est pas mal. Ouais, Mario Odyssey est pas mal, après on n'est pas sur l'innovation non plus. C'est vrai que ça utilise masse, hein, ce truc-là. Les mécaniques de chapeau, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, les mécaniques de chapeau, c'est vrai. Ouvre la bouche, ouais. Merde. On va y aller. Bonjour! Oh, je te souhaite la bienvenue. Je suppose que tu es là pour ça? Ouais, très bien. Il faut donc que tu me donnes 10 pièces bleues. Comment ça, t'as moins de 10 pièces bleues? Bah alors t'auras rien? Je peux pas baisser mes prix comme ça, ça va pas ou quoi? Faudra que tu reviennes une autre fois, j'en ai peur. À la prochaine. Il peut faire penser à Monsieur Nook, hein. Inspiration Nook. Inspiration Nook. Le méga bloops pollueur. Ça me fume les noms. Le méga bloops pollueur. Ou l'anti-aliasing sur le grillage. Comment ça va le sang de la veine? Oh là, il se passe quelque chose de bizarre dans la zone de Fred à l'autre bout du port. Tu ne peux pas vraiment le voir à partir d'ici, mais j'en suis certain. C'est pas... Mario.
Appuie sur Y pour retourner cette grille. Quoi ? T'accrocher surtout. Attends, mais je peux l'attaquer là, je pense. Voilà. Oh monsieur, on ne se connaît pas. On nettoie avant. Je suis parti 3 semaines en voyage avec presque pas internet et au retour j'ai vu que j'avais un sub offert chez Ultia par le roi des fleurs himself. Merci beaucoup. Stylé ? Sérieux ? Je vais vous faire des subs moi. Sérieux ? Stylé ? Je suis ultra gentil. Je suis ultra gentil hein, quand même, c'est ouf. Malgré moi quoi. Merci monsieur. Ils ont écrit ça avec mon sang ou quoi? Hop là. Quand tu es suspendu, appuie sur B pour tout. Ah mais attends, il va passer de l'autre côté lui. Ça va être marrant. Hop là, ah non. Quoi? Ah oui, d'accord. Parfait. Hop. Merci Ghostman pour ton 6e mois. Merci beaucoup. Oui. La charge au sol, tout ça. Bien sûr. Oh, bah tu crois que ces flèches servent à quelque chose? Tu penses qu'elles indiquent une direction? Oh bah ma foi, t'es futé toi! Ah j'imagine que ça indique un truc, sinon c'est chiant. Attendez, est-ce que vous pensez que là, avec un long saut into le jetpack, je peux le faire? Non. On va pas prendre le risque. Pas très grave. Vous faites vraiment un débat riz ou pâte ici? Merci à le 6. Merci pour le prime. Vous faites vraiment un débat riz ou pâte ici? Ok. Je pensais pas qu'il y avait besoin de débattre. Lance un sondage, ponce. Un sondage exceptionnel, Ryupat. Attends, pourquoi il y a des trucs... Ah non, je peux passer que l'intérieur mais pas l'extérieur, c'est ça? Je me perds un peu là. Alors déjà, je dois aller où en fait? C'est surtout ça le truc. Ah, peut-être là-bas, ouais, ce serait pas mal. Voilà. Bah écoutez, moi je pense que je choisirais pas entre les pâtes et le riz, vous voyez. J'aime autant les pâtes que le riz, je suis un grand fan de riz, mais j'adore les pâtes aussi. Pourquoi choisir, franchement? Pourquoi choisir? Honnêtement, quid des pommes de terre? Ah, les pommes de terre, ça dépend. Mais en fait, l'avantage des pommes de terre, c'est que tu peux en manger sous pas mal de formes. C'est ça qui est intéressant. Tu me diras, le riz aussi, hein, tu peux faire pas mal de types de riz. Tu veux que je t'envoie de l'autre côté du port? Désolé, mais je suis pas encore assez fort. Bah, y'a pas assez de propale alors. Excusez-moi, monsieur. Il paraît qu'on peut faire émerger le sous-marin. Je crois qu'il faut faire tourner ses hélices. Tu penses pouvoir y arriver, mon gars? Sûr.
Merde. Non mais une fois que je l'ai fait remonter, c'est... Je voulais juste... Ouais. Ouais. Ouais, attendez. Non. Non, non, je ne voulais pas aller là. Ouais. Ouais. Ok, c'est un peu la merde. Ok, c'est un peu dur, ouais. C'est un... Ouais. Allô, est-ce que je peux avoir un petit peu de soutien au niveau de la... Au niveau du port, est-ce qu'au niveau du port, il y a des gens pour me soutenir? Est-ce que je suis vraiment seul au niveau du port, monsieur? Ok. Je vais mourir. Je suis mort. En vrai, il n'y a aucun moyen... Ah, si, là. Et ce sera malheureusement une mort hein, pour le joueur français qui va... devoir abandonner. Alors peut-être le paquebot. Soit. La pièce bleue derrière, je l'ai pas vue. Ah mais je sais pas si je fais les pièces bleues là. Mais attendez, je peux pas monter sans avoir à passer par le sous-marin. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Par contre, il va falloir prendre des pièces là parce que le bruit, le son. Voilà. Encore si possible. Est-ce que je peux avoir cette pièce là-bas? Genre là. Je vais prendre celle-là. Me servir de ça, ouais, complètement. Voilà. Le son qui continue, bien sûr. Mais que je ne peux pas arrêter. En tout cas, pas pour le moment. Il va falloir aller chercher ces pièces là ou peut-être. Est-ce que ces pièces, je peux aller les prendre en faisant... Je vois rien. Hmm. Y'a pas un autre endroit où je peux passer de ce côté-là? Non, je peux pas. Je peux pas. Ça me flingue les yeux de regarder là. Non, mais on va continuer comme ça. Avec ce petit bruit. En vrai, ce bruit n'est pas désagréable. C'est une impression que vous avez. Mais honnêtement, c'est plutôt agréable même. De toute façon, il y a des pièces là-bas si je passe. Une folie ce son. Ah, surtout que ça annonce pas quelque chose de très positif ce son en général. Non mais bordel. Ah mais il y a une pièce bleue là. Et je peux pas aller sous l'eau. Et je peux pas le monter plus, il était au max. Pourquoi tu montes pas plus? Bah parce qu'il était max. Tout à l'heure je l'ai monté au max. Ouais, je vais le monter au max alors. Hop. Le bruit qui s'intensifie. Je pense qu'on va retrouver des pièces là. Genre là, cette pièce, comment aller la chercher? Je peux prendre la porte là pour aller chercher ça. Et je comprends pas comment monter. Comment monter au-dessus pour prendre ces pièces là. Hein? Oh non. Y'a pas des pièces en bas? Non, y'a pas de pièces en bas. Et ouais, mais je sais pas comment aller prendre la porte là-haut. C'est ça que...